YouTube, bonjour, bienvenue pour ce 6e épisode. On est toujours à Galar pour la suite de notre aventure. Et je disparais parce qu'on va directement faire l'arène. N'hésite pas de palader dans mon torbille, ça vaut le coup d'œil. J'aime bien même si je m'y perds. D'ailleurs, si tu m'as conseillé pour te rendre au sol sans te paumer, prends l'ascenseur. Et c'est ce que je vais faire de suite. Oh. Alors, on va vite regarder quand même à gauche et à droite. Le défi des arènes commence enfin, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, yes. Par contre, ces dialogues-là qui te font tourner sur toi-même pour te dire non, on va pas par là-bas, c'est chiant. Les champions de l'arène sont toujours là pour la cérémonie d'ouverture des défis des... Machin, ok. Ah, le stade Mozambique, c'est ici que ça va avoir la cérémonie d'ouverture, j'ai hâte de voir les matchs de préparation. Oh, il y en aura plusieurs du coup. Cool. Ta-da-ta-ta-ta-da-da. Oh, oh qu'il est beau. Je t'ai pas proposé bien un tour en taxi volant, mais Corvaillus est trop fatigué pour ça. Ok, ok, je fais demi-tour, tranquille. T'énerve pas. Moi, je veux pas d'embrouille. Papy. Oh, lui, stade résiste au combat Pokémon, même sous leur forme Dynamax. Paraît-il que jadis, il y avait un stade immense battu en pierre. Qu'est-ce qu'il est grand, le stade? Cinématique. Oh, t'es là! C'est le stade de Motorbee, c'est là que la cérémonie d'ouverture aura lieu. C'est retransmis à la télé, tu te rends compte? Nos mères vont nous voir! Bon sang, qu'est-ce que je dis? Le monde entier va nous voir! Quelle pression! Délire, j'en tremble! Tellement je stresse! Oh man, ah non, c'est pas du stress! C'est juste que je suis complètement surexcité! Viens là, nous, on fonce! Viens, on fonce et il marche tranquille. Salut! Ok. Salut. Rose bouton d'or. Oh, cool. Oh, on peut faire le tour. Oh, il y a une boule. 3 anti-brûles. Ok. C'est type feu, du coup. C'est ce que je dois me dire. Ça veut dire que mon Whistampo, il va se faire laver. Oh, un objet. Repousse. Ok. Bah, direction l'arène, hein. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est parti. Oh, t'as vu ça? Y'a des challengers partout et tout. Quand je pense que ce sont nos rivaux. Enfin bref, allons nous inscrire. Mais il a zéro flou, lui. Oh, c'est quoi son problème, hein, lui? Il vaut. C'est pour le défi des arènes? Voilà de recommandation, s'il vous plaît. Oui, les voilà. Oh, vous êtes recommandé par le maître en personne? C'est la première fois que je vois ça. Et moi aussi, je suis recommandé par le maître, man. Deux personnes? Mais qui êtes-vous? Des célébrités? Moi, c'est Nabil. Je suis le petit bro du maître. Et je suis bien décidé à le détrôner. Très bien, si vous le dites. Juste un instant. Sécurité. Et voilà, vous êtes maintenant tous les deux inscrits au défi des arènes. Veuillez maintenant choisir votre numéro de dossard. Il sera ensuite imprimé sur votre uniforme. Je sais pas, moi, 14. La note. Voici un bracelet de défi. Tous les challengers doivent en passer un. Le défi des arènes commence dès demain. Ici même, tous les challengers peuvent loger au rose bouton d'or en attendant la cérémonie d'ouverture. Oh, trop sympa le président de la ligue. En délire, grâce à Bleu, on peut passer la nuit à l'hôtel gastro. Gastronomie. Non, pas du tout gastronomique. Gratos. Bon, gratuit. Pardon. Bon, allez, je vais m'entraîner. M'enregistrer. Ouais, ça va. Hein. En plus, man. Ok, cool. Salut. Ah ouais, je peux pas te laisser passer. Pas commencer, des fenêtres de télé, bien coiffé, vous avez les cheveux verts, donc ça va tout casser. Pareil que les challengers ont été recommandés par le président. Oui, c'est moi. Présent. Moi? Je suis recommandé par le président de la ligue en personne, tu comprends? Le défi des arènes, c'est le principe de l'écrémeuse. La crème remonte à la surface pendant que les déchets s'échouent au fond.
Et moi, je suis la crème de la crème. Alors, hors de mon chemin et en vitesse. Quel connard. Je déboîte quand, lui? Le défi des arènes, c'est l'occasion parfaite pour dépasser ses limites. Oh, c'est pas faux. T'as l'air complètement perdu, ma pauvre. T'es de la cambrousse, je parie. Le prends pas mal, hein. Je suis pas habitué aux grandes villes non plus. Ok, donc elle, c'est la connasse numéro 2. Beaucoup d'appelés, pas d'élus, la compétition est rude. Bon, eux, ils sont déjà en PLS. Oh, c'est quoi ce Pokémon? Oh, je connais rien, au secours. Mais pourquoi je t'emblasse moi? Ça n'a même pas commencé. Ok, 10 PLS. Excusez-moi, vous êtes bien là, nous, la challenger? Le rose bouton d'or est dans cette direction. Je vais vous y emmener, suivez-moi. Yeah. Je me fais escorter et tout. Trop bien. C'est faux, j'ai pas bu. Calmez-vous. Ouais. Oh, la petite musique. Rose bouton. Viens là, où? Mais voici au rose bouton d'or. Reposez-vous bien et ménagez vos forces pour les combats qui vous attendent. Yeah! Moi j'adore le maître, il est super fort et moi bah j'aime la réaction super fort. Quel enfer. Moi je suis chez Rose à la tête de presque toutes les sociétés qu'on trouve à Galar. Et à la tête, pardon. Oh là là, je vais avoir du mal ce soir. Oui, pour force. Mais vous regardez un conteneur. Mon cher Gidou, il a disparu. Peut-être t'aider. Avec de l'eau. Il n'y en a pas à Motorbi. Toujours un chien. Essaye de siffler. Mais quel enfer. C'est un... Oh, c'est un centre Pokémon. J'avais pas tilté. Bonjour. C'est gratos. J'en profite. Bon, et je sais pas si j'en prends d'autres dans ma team. Je pense en vrai. Faut savoir que pour le moment, j'ai pas l'idée d'avoir une team définitive. Je sais pas ce qui les attend. Ok, ça veut dire va pas par là, tu comprends. Ok. Et l'autre pour son chien chidou là. Salut. Là je veux pas écouter celui qui croit tout savoir. Bien vu. Y'a pas la force qui fait le charme des Pokémon, y'a aussi l'élégance. Le défi des arènes, c'est un voyage au cours duquel on explore des différents coins de la région avec ses Pokémon. Faut plus s'arrêter. Hein. Oh, une boule. Un mouchoir soie. Ok, cool. Poké poupée. Ok, cool. Après une journée de dur labeur, y'a que ça de vrai. Ouais. Comme j'ai changé de coupe, je dois aller à un petit soin du centre Pokémon pour mettre la photo de ma carte de ligue à jour. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe, j'ai oublié. On joue à la marelle, blablabla. Le Pokémon. Oh, ok. Okay. Attendez, mais il y a d'autres trucs ici. Quand on veut changer, on peut. Y'a pas d'âge limite. De pouvoir ou de PP, yes, tu m'apprends pas grand chose. Kezako. Ou une galerie marchande. Un restaurant ne peut pas être à la fois bon, rapide et pas cher. Si tu veux un truc rapide et bon, ce sera cher. Si tu veux du pas cher et rapide, ce sera pas bon. Y'a pas tort, mais écoute, c'est un peu ça, ça reste logique. Ça fatigue d'encourager les combattants. J'ai une faim de loup-garoc. Au secours, je vais se bloquer. Au nom de Macro Cosmos Rail, je vous souhaite la bienvenue. Ok. Ah non. C'est pas tranquille. Sortir des sentiers battus, c'est bien. Mais pas quand tu connais quand tu conduis un train. La boutique Pokémon, acheté. T'as quoi à vendre? C'est Norz. Je me casse. Vendre. J'ai des trucs à vendre ou pas? Ça a pas l'air, hein.
Ça, c'est une pépite. Oh la pépite. Oh la pépite. 5000 balles. Les champis, je les vends pas de suite parce que je suis pas sûr qu'on puisse que le plus intéressant soit de les vendre. Le président de la Ligue chez Rose est un véritable touche-à-tout. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de Galar. R, ça coûte 200 balles la boisson. Y a que moi que ça choque. Bon, ici, y a aussi une gare, du coup. Ok. Et quand on prend cet ascenseur, ça mène où? Allez, tonton, y a pas d'onde qui tienne. Ok. Ok, mais c'est totalement une nouvelle partie de la ville ici. J'aime bien m'amuser avec vos tutrices, mais en fait, j'aimerais bien qu'on vole dans le ciel ensemble. Oh, c'est le Pokémon en dessous. Oui, attendez, je vais aller voir, calmez-vous. On a vu la boule. Des lunettes noires. Ça, c'est cool, en vrai. Salut. On écoute tout ce qu'elle dit, même si on comprend rien. Ok. Il y a un escalier. Galar, on sait s'entraider. Je suis bénévole. Je me dois gracieusement, sans demander salaire. C'est gentil, mais tu fais quoi dans la vie? Oh, un Goupix. Cabu, il sait mettre le feu en stade. Tu savais qu'il venait de ON? Oui, oui. De Cabu. Mais c'est qui Cabu? La boutique d'uniforme, que désirez-vous? Oh, ça c'est stylé ça par contre. Oh là 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 là. Oh, les uniformes. 18 000 balles. J'avais pas vu. 18 000 balles. T'as pas 18 000. Le champion de Galar sont répartis en deux catégories selon leur force. La première division et la deuxième division. Ok. Ça, c'est cool à savoir aussi. On en apprend, hein, parce que... Oh, oui, ça fait déjà 12 minutes. Mais on découvre la ville. Tout ça, on n'avait pas vu encore. Ah bah ici, voilà, ici c'est le centre Pokémon. Ok, bah ça y est, je pense qu'on a vu tout Motorbi en fait. Salut, ça va? Ouais, ouais. J'avais dit salut avant de lire ce qu'il me disait, c'est cool. C'est beau, ouais, ouais. Ok, cool. Pour bien s'entendre avec les Pokémon, il faut savoir les comprendre. Il y en a qui aiment se battre, d'autres non. Ah, c'est pas faux ce que tu dis, hein. Ça peut être quoi ici? Un Pokémon, vous pensez? Ah ouais. Ah yes. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Mon ami René. Je suis vraiment content de tomber sur un Magikarp. Allez hop, va-t'en. Oh mais attendez, j'ai pas chopé de Magikarp, si? Je sais pas si j'en ai un. Je crois pas. Bon, j'aurai l'opportunité d'en choper un plus tard. Oh, il est super bon, cool. C'est bien parce qu'il n'y a pas d'angle spécial. Là, je suis un peu en diagonale, au-dessus d'une barrière, mais on me donne quand même la possibilité d'utiliser la canne à pêche. Ça, c'est cool. Et là, il est shiny, vous imaginez? Je rigole, mais ça ferait plaisir quand même. Pas vous mentir. Hein. Est-ce que j'ai un Magikarp? Oui, j'ai un Magikarp. Ok. Bon, bah, meurs. Hein. Bon, allez, 14 minutes de vidéo. On va aller voir l'arène. Enfin, l'hôtel. L'hôtel du rose bouton d'or. Ce sont les enfantillages. Et les petits ramages parfois dans le jeu, hein. C'est... Alors, je sais que sur la capture, vous envoyez plus que ça, mais c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est moins grave que dans le jeu. Mais même moi, dans le jeu, j'en vois, donc... sur le retour direct qui est ma télé, donc bon. Là, par contre, c'est un peu plus grave. Eh bien, on dirait que c'est l'hôtel, il n'y a rien à faire autour.
Eh, salut les apprentis dresseurs. Alors, c'est bon, vous êtes inscrits? Eh, Sonia, qu'est-ce que tu fais ici? J'enquête sur le mystérieux Pokémon de la forêt de Sleepwood. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée de fouiller du côté des légendes de Galar. Ça vous intéresse? Déjà, c'est quoi ça? C'est une statue du héros qui a sauvé Galar il y a très longtemps. Vous voulez connaître l'histoire? Et puis tous les détails si possible en fait. Il y a fort fort longtemps, un sombre vortex s'est matérialisé dans le ciel de Galar. Les gens l'ont appelé la Nuit Noire. Les Pokémon géants sont apparus un peu partout et ont commencé à saccager la région. Mais un jeune et valeureux héros, armé d'une épée et d'un bouclier, les a tous vaincus. Cette statue représente le jeune héros de la légende. Mais on a vraiment très peu de choses fiables pour cette histoire. Je vous laisse imaginer le casse-tête que c'est pour les historiens. À quoi ressemblait l'épée et le bouclier du héros? Mystère. C'est quoi ce vortex? On n'en sait pas plus non plus. Beaucoup d'énigmes entourent cette nuit noire qui a assombri le passé de Galar. Ah ok. En tout cas, le héros, il en jette et tout, c'est ouf. Il devait être fort comme mon frangin. En tout cas, tu vas avoir du pain sur la planche, Sonia. Faut que tu fasses des recherches. Sur le vortex, les armes et tout et tout. Mais oui, je finis même par trouver quelque chose. Vous dormez à l'hôtel, c'est ça? Pensez à vous enregistrer à la réception. Enfin, vous n'allez pas me l'occuper, là. Ah bon? Ah, ça marche. On trouve quelque chose, on te prévient. Ah oui, il y a les pécores. Oui. Oui. C'est qui ces types? Ah mais ils sont pénibles à la fin, je peux pas m'enregistrer avec leurs bêtises. Excusez-moi? Comment ça, y a pas de réservation au nom de la team Yel? J'ai déjà tapé le trou de tout trajet jusque dans cette ville de Bourges sans pour encourager notre chupinette, et en plus, faudrait payer pour une chambre? Falloir nous battre pour nous faire partir. Ah, ok, d'accord. On me laisse faire un choix. Mais bon. Tu cherches les embrouilles, c'est ça? On est venu jusqu'ici pour soutenir la meilleure des dresseurs, ok? Et nous, on est les meilleurs supporters. D'ailleurs, tu vas pas faire ta maline longtemps. Fight! Le sbire de la team Yel veut se battre. Un zigzaton. Qu'est-ce qu'il est laid. Mais qu'est-ce qu'il est laid. Allez, aide-moi ça. Easy. Non, oh, j'hallucine. J'avais pas dû te provoquer. Donne-moi ta thune. La team Yel me vengera. Calmement, un combat Pokémon dans le hall d'un hôtel pour Bourges, je dis oui. D'accord, je vais me taper les 4 du coup. Ok. Un goupidou. Trancherbe. And kill me that, please. Easy. Ah, c'est parce qu'on est dans le ville de Bourges, là. Tout est sous bling bling, ça m'a déconcentré. Ah, c'est trop Bourges ici. Je peux pas me battre sérieusement au milieu de tous ces gens de la ville. Eh ben dis donc, c'est toute une aventure de s'enregistrer à l'hôtel ou quoi? Mais attends, vous faites des combats Pokémon? Oh, trop bien, ça me fera une séance d'entraînement. Faut que je parle à nous, je vais soigner ton équipe. Yeah. Enchanté, moi c'est Nabil, je suis challenger. Et je suis bien décidé à tenir le prochain maître. Prêt pour un petit goût 2 contre 2? Oh, délire, on va vous laver. On va vous montrer ce que c'est que de vrais supporters. Venez pas pleurer après. Fight! Ok, si vous voulez, moi ça me va, moi je... Je dis pas non, hein. Goupillou et Zigzaton, yes. Estampo et Moumouton.
Il pourrait envoyer son armée Léon quand même. Hein. Oh là, level 10. Le pauvre. Bah ouais, hop, en avant. Et hop, dans le moumouton. Goupilou, il s'est blessé, on a l'impression, tu sais. Allez, hop. Ça dégage. Oui, si tu veux. Oh là là. On n'a pas peur. Par contre, moi, j'avais sélectionné les deux. Et pourquoi? Est-ce que Zigzaton a dodge mon attaque? Ou est-ce que Trancherbe, ça n'affecte qu'un seul Pokémon? Je comprends peut-être avec une autre attaque. Aisé. Oh, je suis tellement dégoûté de l'avoir perdu que j'en venais à voir qui tremble. J'ai besoin de soutien là. J'étais juste venu mater la cérémonie d'ouverture des défis des arènes, moi. 1445, 40 Pokédollars. Bon, ok, les seuls qui pleurent dans l'histoire, c'est nous. Mais il se passe quoi ici? Rosemary? En fait. Je sais ce que. Hein? Ok. Je sais que vous prenez cette histoire de défi des arènes à cœur, les gars, mais la violence, c'est pas la solution, clairement pas. Désolé, ils sont fans de moi. Ils se sont trouvés le nom de la team Yel. Ils se rendent pas compte qu'ils peuvent être loups parfois. Bah t'es pas une connasse finalement. Ça suffit les bêtises, rentrez chez vous. Hop, comment faire le ménage. Ils sont pas méchants, ils sont juste cons. Puis ils veulent juste me soutenir à fond. Trop même. Ils ont tendance à provoquer les autres challengers. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse pour eux. Oh, trop cool, t'es une challenger aussi. Et t'as déjà plein de supporters. Ils ont un nom et tout. Oh, délire, j'avoue que ça sonne bien et tout, la team Yel. Elle est pas moche en plus, ça. Hein. Coucou. Coucou, lady. Coucou, lady. Ils sont pas méchants, Ouais, bon, ok. Mais en fait, c'est pas du tout une colasse. J'ai parlé beaucoup trop vite. Bonsoir, bienvenue à l'hôtel Rose Bouton d'Or. Vous êtes une dresseuse prenant part au défi des arènes, c'est bien cela? Oui. Mademoiselle Lanou, voilà. La ligue a réservé une chambre à votre nom. Merci encore pour votre intervention, salvatrice de tout à l'heure. Je vous souhaite un excellent séjour chez nous. C'est un robot, en fait, on vous a menti. Je peux voir ma chambre ou c'est... Genre pour le lore? Ok, d'accord, pas du tout. Le lendemain matin. Ah, salut! Je crois que le grand jour est arrivé. Notre histoire va commencer. Ah, viens là, nous, on fait la course jusqu'au stade Motorby. Ah, mais si, on peut monter, c'est trop bien ça. Ah, bah attendez, on passe le reste de l'épisode ici, hein. Oui, merci, c'est gentil. Putain. Tellement stylé de donner accès à tes Pokémon dans un stade, trop cool. Ouais. Ok, il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être quand même discuter avec les gens. Ok. Ouais, vive Tarak, c'est le meilleur. Ok. Mon petit fils est un peu trop enthousiaste. Sache. En ce qui concerne la pose drac au feu, de sa mémé. Ok. Mamie gênante. Et salut Angel, comment tu vas? Quand on est dans les tribunes, on peut sentir l'évaporation du terrain me traverser le corps. C'est électrisant. Oh. C'est le PSG relou qui lâche des cris chelous, tu sais, dans le fond de la pièce ou je sais pas où. Genre. Oh. Là, ok. Bon. Ah, la porte. Je passe pour un con, du coup. C'est vide. Hop. On allume la télé. Et on se casse. Ah, la porte. J'arrive pas à passer par les portes, c'est fou. En me baladant dans les terres sauvages, j'ai vu quelque chose briller au sol. Les morceaux d'étoiles. J'en ai trouvé plein. Merci. Cool.
Ouais, blablabla. Pierre pour monter le moral. Bah voilà, c'est fait pour ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis au début du live, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Si c'était pas le cas, eh bien je vais repasser une agréable soirée. C'est tout à fait mon but. Mais moi ça va bien. Blablabla sur mon ouverture va commencer. Oui d'ailleurs faut que j'aille aussi moi. C'est pas ça mais bon. On va y aller hein. Très cher challenger, la cérémonie d'ouverture va commencer. Souhaitez-vous que je vous accompagne jusqu'au stade? C'est exactement ça. Eh oui, bah oui. Et c'est ça qui est cool. Moi, rien ne me fait plus plaisir que ça en fait. Me dire que je vous fais passer un bon moment, quoi qu'il advienne, c'est le principal. Et vous aussi sur YouTube, évidemment. Hein, c'était au départ pour vous. Hein, avant que je fasse du streaming, les vidéos. Bon, alors, je vais pas vous mentir, je pense pas aller dans l'arène dans cet épisode. Donc YouTube, va falloir attendre 5-10 minutes pour 5-10 minutes. Plus 48 heures pour avoir le prochain épisode. Mais vous, Twitch, vous en faites pas. Hein. Ce sera en quelques minutes. Hein. Je vais prendre un petit salagmin. Voilà. Et puis, j'avoue que Triton de pareil, niveau 14, c'est pas dégueu aussi. Ça peut être efficace. Nounourson, Blitzy. Il a quoi, Stalagmin, comme attaque? Ok. Ah oui, donc c'est ça aussi qu'on avait pu voir dans les trailers, c'est tous ces aspects de combat sur lesquels on se penchera, évidemment, hein, mais pas tout de suite. Je pense qu'il vaut mieux qu'on découvre encore un petit peu le lore et le jeu, de manière générale, pour pouvoir réellement se poser sur les stratégies comme le Dynamax, les combats, etc. Poudreuse, étonnement, gros yeux, reflet. Bon, il a que deux attaques qui sont vraiment pas ouf. Bon, pour le moment, je pense qu'on va rester sur ça. Nounourson, il a quoi? Pareil, Nounourson. Gros yeux, regard touchant, représailles et centrifuge. Ouais, bon, c'est mignon, mais bon, après il est niveau 15. Bon, je vais le prendre dans mon équipe. Et on verra. On verra. Donc là, je pense que d'ici la fin de l'épisode, donc pendant encore 4-5 minutes, je vais regarder vraiment ce que je peux mettre comme attaque à mes Pokémon. Je vais aller les heal parce que peut-être que ceux que j'ai attrapés sont low, j'ai pas fait gaffe. Et puis bah on ira tout simplement dans le stade pour faire nos premiers combats d'arène. Arène, stade, voilà. C'est vrai qu'il n'y a plus vraiment d'arène dans ce jeu, dans cet opus. Ce sont des stades. Même s'ils appellent ça encore le combat des arènes. Alors, Météore. D'accord, personne ne peut le prendre. Et représailles. Ok, ceux qui peuvent l'ont déjà, et sinon. Bon. Qu'est-ce que je peux faire en vrai? Bon, je vais vendre ça. Et je sais plus si j'ai regardé ce qu'ils avaient à vendre, eux. Acheter. Ouais, non, c'est vraiment naze. C'est éclaté. Des potions, j'en ai 5, honnêtement, ça pourra me suffire. Pareil, des Pokéballs, à terme j'achèterai des Super Balls, donc je vais pas en prendre trop non plus. Et je vais vendre le morceau d'étoile, 6000 balles. On a déjà 43000 balles, on est bien. Et ah oui, les capsules, ouais, why not en vrai. Champ canon, mur lumière. Ah oh, ouais, non, c'est vraiment nul. Oh là là. Bon, oh, salut. Pour une journée de boulot, faut que je me décide. Je regarde un combat de champion ou un petit match de foot. Combat de champion. Oh, là, je suis désolé, hein, mais il n'y a pas photo.
Les humains aussi, chacun son truc, c'est plus efficace. Oui. Bien bossé aujourd'hui. Ok. T'es pas obligé de me raconter ta vie, par contre. Hein. Non, mais disons-le clairement, hein. C'est pas très intéressant ce que tu me dis là, donc bon. Bon, et puis YouTube. Je pense qu'on va s'arrêter là. 30 minutes de vidéo. C'est pas beaucoup, au final. Allez, on rentre dans le stade pour voir. En espérant qu'il n'y ait pas une cinématique infinie qui pop. Is ok. T'as quelque chose à me dire? Non. Challenger, on est où? Oui. Bonne vidéo YouTube. Tous les challengers doivent revêtir leur uniforme pour le défi des arènes. Et la cinématique d'ouverture fait partie intégrante du défi. Je voudrais donc de bien vouloir vous changer. Un quoi? Ok, il m'en donne un. Tranquille. Oh, c'est moche. Oh, lui, il est archi moche. Il va ravir. Non, c'est archi moche. Oh putain, j'aurais dû en acheter un tout à l'heure. Je suis deg. Pouce bleu si toi aussi t'as le seul. Mesdames et messieurs, cher public, je suis Cérose, le président de la Ligue Pokémon. Je sais que vous n'attendez qu'une chose, que vous soyez ici dans le public, ou chez vous, devant la télé. Sachez que votre attente touche à sa fin, le défi des arènes de Galar va enfin commencer. Oui, le défi des arènes. Il y a 8 champions à affronter et 8 battus à remporter. Seuls les dresseurs qui réussiront ce défi seront dignes du plus grand honneur. Participez au Pokémaster et ainsi avoir une chance de défier le maître de Galar. Champion d'arène, approchez! Le logo là avec le perso jaune, je trouve qu'il est vachement moche quand même. On dirait un vieux logo de JO genre d'il y a des années. La fierté des fermiers, Percy, le champion de type plante. Le tsunami, Lapis Lazuli, Donna, la championne du type eau. Les flammes de la détermination brûlent dans ses yeux. Kabou, le champion du type feu. La karatékide de Galar, Feiza, la championne du type combat. Le coup de théâtre est féerie, Sally, la championne du type fée. Solide comme le roc, Chaz, le champion du type roche. Un adversaire draconien, Roy, le champion du type dragon. Oh, le rouleau avec les Selvi. Un des champions n'a pas pu se joindre à nous, mais voici déjà de quoi vous faire une idée. Acclamez les champions, la gloire de Galar! C'est qui manque du coup? C'est stylé quand même, hein? Non, y a pas à dire. Hein. J'ai du mal à réaliser. On y était. On était dans le stade, sous les feux des projecteurs et tout. Délire! J'ai le cœur qui brasse à l'heure. Nabil, là nous voilà. Vous voilà. Oh, voici les deux jeunes dresseurs recommandés par le maître en personne. Bienvenue et enchanté. Je me présente, chez Rose, pour vous servir. Je vois que vous avez déjà un poignet Dynamax. Ce sont donc des étoiles vœux qui ont guidé vos pas jusqu'ici. D'ailleurs, savez-vous que c'est ma firme qui a développé les premiers modèles du poignet Dynamax? Eh oui, rien que ça. Yes, des chevilles, fais attention. C'est formidable en tout cas de voir de jeunes dresseurs qui en veulent. Cette édition du défi des arènes s'annonce absolument grandiose. Tout Galar va vibrer. N'oubliez pas que le défi des arènes est l'occasion idéale pour Dynamaxer vos Pokémon. Sur ce, je suis bien navré, mais j'ai le devoir m'appelle. Et je suis contraint de filer. Amusez-vous bien! Eh bien, il est vraiment de bonne humeur, notre cher président!
En tout cas, écoutez-moi bien, les Minus. Ce n'est que le début de l'aventure pour vous. Si vous voulez gagner, il va falloir bosser dur. C'est pas le tout d'entraîner votre équipe. Il faut aussi que vous deveniez de bons dresseurs. Au fait, là, nous, pour réussir les défis des arènes, il faut combattre les champions de chaque stade dans un ordre précis. On commence par celui de Greenbury. Yes, ok, je comprends mieux. On doit prendre la route 3 pour y aller. Ok, yes. Cette vieille feinte, putain, j'ai le seum. Le défi des arènes consiste à se rendre dans les 8 arènes de Galar où il faut remplir les missions des champions, puis les vaincre dans le but d'obtenir leur badge. Yes. YouTube, ça va être la vraie fin de l'épisode 6. Je suis désolé, je sais que vous avez eu déjà une outro, mais c'est pas grave. YouTube, des bisous, merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas, le petit pouce bleu à l'abonnement. Bien joué Game Freak, bien joué. T'as des salauds. Des bisous à vous. Merci d'avoir été présent jusqu'ici. Merci de regarder les vidéos et merci de les partager. Des bisous à vous. Et bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Salut !